Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit alerte facile qu'on va se faire sur deux capsules et ce sera ces petites feuilles. Voilà, alors si ça vous intéresse, on se retrouve pour la suite. Alors voilà, on va se prendre de la matière et on va tracer pour commencer. Je vais remonter le bracelet qui me gêne. Voilà, on va commencer par tracer donc une ligne comme on veut, hein. Voilà, par exemple. Voilà, donc nous avons là notre ligne. Ensuite, je ne l'ai pas sortie. Pourquoi? On va prendre un petit dotting tool, comme ça. Plus ou moins gros, hein, tout dépend de ce que. Oh, bah d'ailleurs, il est coincé. C'est pas grave. Et on va se faire des petits points. Je crois que c'est quand il est tombé. Je l'ai fait tomber. Petits points plus ou moins gros, hein, tout dépend de la base de feuilles que vous voulez. Voilà. Ensuite, on va tout simplement étirer nos petits points de manière à créer la forme de la feuille. Voilà. Je vais reprendre la matière, mais c'est un tic, vous n'avez pas vraiment besoin de reprendre de la matière. Voilà, donc là vous avez la base de votre feuille. Ensuite, vous avez la possibilité de catalyser maintenant et de faire une deuxième couche après. Moi, je vais tout faire d'un coup pour que la vidéo soit moins longue. Donc, je remets un petit peu de matière un peu partout. Pas trop non plus. Et on va repasser sur notre tige. J'ai un peu la tremblote, hein, aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on en est là, on va prendre un
pinceau plus fin, comme ça. Je vais quand même le tremper un peu pour qu'il... Voilà, pas beaucoup. Et là, je vais, sur mes tiges, prendre la matière qui est au milieu et juste étirer ma feuille pour qu'elle ait une jolie pointe. Du coup, j'ai fait tellement de côté que... Vous voyez, j'espère que vous voyez en fait. Voilà, j'ai étiré ma pointe. Ensuite, pardon. Ensuite, on va venir récupérer, hop, comme ça, et créer nos petites tiges pour rejoindre les feuilles à la tige principale. Voilà. Et voilà notre premier. On va le mettre à catalyser, celui-ci. Et donc, on va se faire sur celui-ci, on va se faire quoi? Un petit... j'ai un poil là. Un petit comme ça, et c'est reparti. On va faire les petits points. Et on va étirer avec celui-là. J'ai pas besoin de reprendre de la matière, je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe, mais il n'y a pas besoin, juste vous étirez en fait le point. Après, des fois le point est pas assez gros, donc vous pouvez en reprendre. Hop là. Comme je disais, j'ai la tremblote aujourd'hui, c'est fou ça, j'ai plus trop de café. Pas bien le café, pas bien. Voilà. Donc maintenant, on fait un peu plus partout. Tac, tac. Tac, tac. On va repasser sur notre tige.
Et là, on va, comme tout à l'heure, prendre le plus fin et on va étirer nos pointes de feuilles. Pas trop imbibé. Voilà. Voilà pour nos pointes de feuilles et là on va rejoindre les feuilles à la tige principale comme tout à l'heure. Et voilà notre deuxième. Je vais le mettre à catalyser. Le premier, on va donc lui mettre sa petite finition. Alors comme d'habitude, c'est du Beautylux. Comme vous le savez, si vous me suivez, je suis une fan. Petite finition pour lui aussi. Alors, catalyse terminée. Hop là, voilà ce que ça donne. Ça a été assez rapide et assez facile, donc bon, pourquoi pas. Je voulais vous faire la petite vidéo. Bon ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous procédez pour faire ce genre de nail art. N'hésitez pas également à me dire si toutefois vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je vous tourne. Je regarderai ça attentivement et je prendrai note. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye !